Donc je récapitule. Dès que le signal sonne, les mécanismes d'accès au repère se mettent en marche. Moi, je prends le fauteuil, Junior descend par les rails, Miguel par le mât. Maurice ! On descend toujours au repère de la même façon, ça fait des centaines de fois qu'on le fait, on sait comment ça marche. Oui, Gilbert a raison. D'ailleurs, on pourrait changer un peu de temps en temps, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, Miguel descendre avec fauteuil de Monsieur Maurice. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, Miguel. Oh, allez, Maurice, juste une fois pour changer. Hein? Maurice, allez. S'il te plaît. Ok. Les as de la jungle. Et les rescousses. Bonne mission. Je peux pas freiner. Wouh, c'était marrant, hein? Bof, tu veux bien aller ouvrir, Patricia? D'accord, Maurice. Et hop. Alors, les amis, dites-moi ce qui vous amène dans le coin. Grand guerrier tigre. Oh, grande guerrière chauve-souris. Un monstre rôde tout près de notre village. On a peur qu'il attaque nos maisons. On l'a vu, il est tout laid. Ouais, trop laid. Il avait trois pattes et il faisait de la fumée. Il nous a poursuivis, c'était horrible. Trop horrible. On a eu trop peur. Ouais, on a trop eu trop peur. Un monstre géant qui fait de la fumée? Oh, désolé les filles, mais Gilbert va vous dire que ça n'existe pas. Vous avez dit trois pattes et qui crache de la fumée. Attendez, vous l'avez vu où, ce monstre? À côté de notre village, il y a un endroit super flippant. La clairière interdite. On y est allé. Oh, hey, quel mot vous ne comprenez pas dans clairière interdite? Interdite! Ça veut dire qu'il faut pas y aller. Ah ouais, mais on voulait trop y aller. Ouais, et là-bas, il y avait une grotte fermée par une grande porte. Alors on l'a ouverte, il y avait un monstre juste derrière. Et il s'est mis à bouger. Crapi. Oh, mais c'est pas possible, c'est une catastrophe. Bon, vous calmez ces kiwis terrorisés. Pendant ce temps, moi, j'ai un petit truc à faire. Mais on est calme. Bah, Gilbert, tu vas où? On va partir en mission, là. Gilbert! Vous le trouvez pas bizarre? Enfin, plus bizarre que d'habitude. On devrait pas le suivre? On va d'abord s'occuper de ce monstre. C'est par où, votre clairière interdite? Par là, dans la direction où est parti votre copain. Ok, les kiwis. Vous, vous retournez dans votre village. Nous, on va s'occuper du monstre. En route, les amis! La clairière interdite. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Ma première machine volante. Et là, mes vieux feux d'artifice. Ah ! Et voilà ce bon vieux tripate. Alors comme ça, tu as réussi à t'échapper. Il va falloir que j'accède à ton système de pilotage et que je te ramène dans ta grotte pour que tu n'en sortes plus. Tu es vraiment trop dangereux, ça me fait mal au cœur, mais je crois qu'il vaut mieux que je te mette en pièces. J'espère juste que ces vieux mécanismes fonctionnent toujours. Allez, approche encore un peu, mon bonhomme. Tu me fais pas peur. Allez, tu y es presque. Waouh, on a bien fait de te suivre, Gilbert. Et c'est quoi ce truc là? Oh, Gilbert! Attention! Non, Patricia, je dois. Oh, Patricia, à cause de vous, je l'ai raté. Ça doit vouloir dire merci, Patricia, de m'avoir sauvé la vie. On va s'occuper de ce monstre. Miguel, Junior, t'es prêt? Non! N'essayez pas d'arrêter cette machine tant qu'elle est en plein soleil! Écartez-vous! Gilbert, comment tu savais pour la machine? Attention au piège, Maurice. Quel piège? Gilbert, comment tu savais pour la machine
Et pour le piège? Parce que c'est moi qui ai construit cette machine, Maurice. Comme ce piège. Et tout ce qui se trouve dans cette clairière. Cet endroit était mon petit laboratoire d'expérimentation avant que je rejoigne les As de la Jungle. Mais pourquoi vous avez construit une machine aussi dangereuse? Elle devait être inoffensive, Patricia. C'était mon chef-d'œuvre. Un véhicule qui ne fonctionne qu'à l'énergie solaire. Ces loupes concentrent les rayons du soleil pour faire bouillir l'eau. L'eau produit de la vapeur. Et la vapeur entraîne une turbine qui fait bouger les pattes. Mais je n'avais pas pensé que lorsqu'il serait en plein soleil, les rayons de lumière qui traverseraient ces loupes le transformeraient en une arme redoutable. Je n'ai pas le courage de détruire ma création. Alors je l'ai enfermé dans cette grotte. Mais j'ai placé des pièges et des pancartes pour dissuader quiconque de s'aventurer ici. Et j'ai inventé la légende de la clairière interdite. Mais voilà, ces petites kiwis trop curieuses l'ont libérée. Vilain Gilbert fabriqué vilain robot. Miguel, tapez vilain Gilbert. Tapez. Papa, pour se calme. Souvenez-vous, on est une équipe, c'est ça notre force. T'aurais dû nous en parler, Gilbert, au lieu de prendre des risques en essayant de régler ça tout seul. Je ne voulais pas vous mettre en danger. Quand il est au soleil, Tripathe est pratiquement invulnérable. Ça m'étonnerait qu'il résiste aux As de la Jungle. Allez les amis, plus une seconde à perdre. On part botter les fesses de cette bouilloire sur pattes avant qu'elle ne dévaste le village des kiwis. Maurice, piège. Hein? Les loupes. Vilain Gilbert, pas déconcentré, Miguel. Oh, le feu a relancé la turbine. Il redémarre. Les pattes ont explosé comme une énorme bombe. Vite, il faut évacuer le village. Bon, c'est pas gagné. Alors, Gilbert, on a besoin d'un plan dans les secondes qui viennent. Gilbert? Bah, il est où? Allez, mon bonhomme, il faut que je trouve un endroit où tu pourras exploser sans risque de blesser personne. La falaise, on devrait pouvoir l'atteindre. Elle va exploser, vous êtes inconscient ou quoi? Je suis le seul à pouvoir le faire, les amis. Il n'y a que moi qui puisse sauver tout le monde. Adieu. Gilbert! Impossible de le rattraper. Non mais pour qui il se prend, ce Gilbert? Il croit que je vais le laisser se jeter de la falaise avec sa machine? Vilain Gilbert parti avec vilain robot! Il essaie tous nous sauver, Miguel. En se sacrifiant. Tripathe est détruite. Mon invention la plus géniale n'est plus qu'un tas de cendres. Ça doit vouloir dire merci, Monsieur Maurice, Miguel peut taper vilain Gilbert. Non, Miguel, il a retenu la leçon. Il ne construira plus de machine infernale avant un bon moment. Bravo, les As de la Jungle.